C'est un métier exigeant parce que la position de chef fait que vous êtes en permanence au centre de l'intérêt de tout le monde, quel que soit le moment de la journée, quelle que soit l'activité à laquelle vous participez. J'essaye de ne pas jouer de personnage. Je pense que c'est important d'être sincère, parce que je pense qu'une partie de la crédibilité de mon discours tient à cette honnêteté. Le chef d'état-major des armées, c'est le premier des militaires. Au-delà de ses responsabilités propres, il incarne, il cristallise sur sa personne, sur sa fonction, la totalité des aspirations de l'ensemble du personnel militaire, des hommes et des femmes qui composent les armées. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs et personnel civil. Il va faire reconnaître leur poids dans l'État, leur rôle dans la nation, l'importance de leur positionnement dans la société, tout cela, au bout du compte, est incarné par une personne qui est la plus gradée, la première dans l'ordre hiérarchique de l'ensemble du monde militaire. Et je pense que ça, c'est sans doute quelque chose de très important, dont on n'a pas forcément conscience quand on prend ces fonctions-là, et dont on mesure l'importance et dont on mesure le poids une fois qu'on les exerce. Grâce au courage et à la combativité de toutes les forces engagées. Je pense que tous nos soldats savent que leurs chefs ont été à leur place. Il n'y a pas un lieutenant ou un sergent ou un caporal qui n'imagine pas que son chef n'a pas un jour été sur le terrain avec eux dans le désert, en ayant trop chaud, en trouvant le gilet pare-balles trop lourd, et en devant passer des nuits sans dormir. De la même façon qu'un officier marinier ou un aviateur sait que son chef de son armée, mais aussi le chef interarmée, a été dans des situations de combat identiques à celles qu'ils connaissent eux. Les deux machines sont affichées avant 50. Il a éprouvé les mêmes doutes qu'eux, il a eu la même peur qu'eux, et il a eu la même difficulté à bien intégrer et bien comprendre les exigences de sa mission et à la réaliser. Cette infiltrée à proximité d'un bivouac et à procéder à la capture des cibles encore endormies, puis à coordonner la foule du camp et à saisir des preuves à charge, mérite d'être cité en exemple. Le fait d'avoir vécu cette réalité de terrain me donne un crédit légitime, ce que je peux dire, de façon extrêmement importante. Pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, pas parce que je suis plus brillant stratège qu'un autre, mais parce que je parle de choses vécues. Je pense que c'est intéressant pour eux, quand leur chef vient les voir, que leur chef leur dise « Je sais ce que vous faites », et ce que vous faites se situe dans un cadre très large. J'en tire des enseignements, des orientations, et je vous montre quelle est la façon dont je réfléchis pour vous donner ces orientations-là. Le discours d'un chef vis-à-vis de ses subordonnés, c'est l'explication des raisons pour lesquelles on donne un ordre. Ce dans quoi vous êtes engagé aujourd'hui est une mission essentielle qui permet à l'Europe de prendre ses responsabilités en matière de sécurité et de prendre sa part du fardeau pour assurer sa sécurité dans un ensemble de pays partenaires. Si je me déplace jusqu'à eux, c'est pour ça, c'est pour leur apporter ça, cette compréhension des soucis, des orientations et des déterminants du niveau parisien, qui est celui de leur chef et qui est celui de l'ensemble de l'état-major des armées. Et puis c'est évidemment que je prenne en compte la réalité de ce que je vois. Puisque toute l'opération est partie d'ici, de Ménaka, et j'avais un poste de commandement arrière, ici, en permanence, et notre objectif était de désorganiser le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, dans son sanctuaire. Ah,
Tout ça sont des grands éléments qui structurent, par exemple, lors du discours que je fais à Gao, qui structurent notre action au Mali et l'action des forces au Mali, et sont des éléments que je peux apporter aux hommes, parce qu'eux n'ont pas cette conscience-là et ne sont pas plongés dans ces problématiques-là. Ils sont plongés dans ces problématiques, eux, dans la façon dont ils mettent en œuvre, à leur niveau très concret, l'ensemble des directives et des ordres qui procèdent de cette mise en commun de grands enjeux. Et arrivé à la RN20, reconnaissance de la RN20 jusqu'à Ménaka. Qui est votre deuxième élément, donc on a bien dit sur cette piste ici, là. Donc pareil, face au sud, en mesure d'interdire des éléments qui arriveraient de l'ouest ou de l'est ou du sud-est, comme on l'a prévu. C'est aussi l'intérêt d'avoir un discours qui ne soit pas un discours trop préparé malgré tout. C'est de pouvoir l'adapter à ce que je ressens quand je suis sur le terrain face aux gens, à ce que je ressens et à ce que eux peuvent m'apporter par leurs témoignages, par leurs présentations, par leurs explications. Représentant des mouvements. Aujourd'hui, on est jour de quoi, enfin. Aujourd'hui, c'est jour de quoi, général. D'accord. C'est pour ça qu'il y a tous ces camions. C'est pour ça. Donc là, ici, on est ici sur Ménaka, on est sur un lieu de passage. C'est cette façon qu'a le déplacement et la rencontre qui est induite par le déplacement de permettre de rabouter les deux bouts. La vision du haut qui a été pensée en liaison et en relation directe avec ce que pense le chef politique et avec ce qu'est notre environnement ministériel et interministériel parisien, et l'autre extrémité qui est les opérations vécues par mes hommes et la manière dont eux essayent d'appliquer nos directives et nos ordres dans une situation complexe avec un ennemi hostile, avec une population qu'il faut conquérir. Et cette confrontation entre ces deux réalités est toujours absolument passionnante. Je voulais vous dire que la France est fière de ses soldats et que ceux qui ont le degré de conscience suffisant pour comprendre que nous sommes en train de participer à l'élaboration d'un monde plus juste, plus apaisé et plus sûr, et que nous sommes en train de garantir sur le long terme le développement harmonieux de l'Afrique aux côtés de l'Europe, ceux-là sont particulièrement fiers de votre engagement. Divers rendez-vous avec les diverses autorités sont très préparés. J'ai une idée assez précise de ce que je vais demander, de ce que je vais pouvoir dire, ou des problématiques dont nous allons discuter. Ensuite, ce qui est important, c'est effectivement de, malgré tout, laisser la place à une forme de spontanéité pour être en mesure d'entendre ce que la personne va vous dire que vous n'attendiez pas, d'être capable d'y réagir de façon plus spontanée avec un véritable jeu d'interaction entre moi et mes interlocuteurs. Au Mali en particulier, dans une zone dont dépend aussi la sécurité et la stabilité de tout le Sahel, mais également de l'Europe. Quand vous parlez aux gens, vous voyez à leur regard, vous mesurez au niveau d'attention qu'ils sont capables de porter le degré de réceptivité des gens. Et donc vous devez être capable de faire varier votre discours en fonction de cette réceptivité de l'auditoire qui est en face de vous. Les menaces aujourd'hui sont surtout les élites. Il faut se concentrer sur le face-à-face, sur l'échange qu'on va avoir avec l'interlocuteur. Il faut être capable de saisir ses moments d'hésitation, ses doutes, ses attentes. Et donc ça demande une préparation préalable importante. Comme précisément le chef d'état-major des armées, il est celui qui symbolise ce que sont les armées au profit de la nation, je me sens utile dans ma fonction, comme toutes les armées sont utiles vis-à-vis de la nation, à la fois pour les défendre, pour les protéger, pour promouvoir leurs intérêts dans le monde, pour promouvoir les valeurs que porte la France, pour être capable d'inspirer à nos concitoyens ce que les armées doivent leur inspirer, c'est-à-dire le sentiment de la responsabilité, de la gravité, de l'unité nationale, qui tout entières sont emportées par cette obligation qui est faite à leurs armées de porter la force, de porter leur force et de la mettre en œuvre dans le monde.